Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Splatfest qui oppose Bob l'éponge à Patrick. Oui, là on est tombé bien bas dans les thèmes de Splatfest, en tout cas à mon avis. C'est vraiment, là c'est du placement de produit au maximum. Bob l'éponge contre Patrick, ça sort de nulle part. Ok, c'est deux personnages de la mer, mais c'est vraiment le seul rapport avec Splatoon, quoi. Enfin bon, la particularité de ce Splatfest, c'est que il dure plus de 24 heures. Je crois que c'est parce que il est également en Amérique en ce moment. Du coup, pour faire coïncider les horaires, ils ont fait un truc du style 15 heures aujourd'hui jusqu'à 21 h demain. Du coup, moi, pendant longtemps, je me suis dit, je vais prendre Bob l'éponge. Mais en fait, je pense que c'est Patrick qui va gagner ce Splatfest, du coup je vais choisir Patrick. Il y a un nouveau petit truc aussi, c'est que par rapport au Splatfest d'avant, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait les Power, et il y a un truc qui a changé, c'est que maintenant les Power, ils ont mis un Power différent pour les rangs S et S+. Du coup, c'était hyper chaud pour moi, en tout cas, je trouvais que c'était hyper chaud au Splatfest précédent, parce que je tournais avec des très bons joueurs tout le temps. Là du coup, ce sera peut-être un peu moins dur. Je sais pas à quel point, mais sûrement un peu. Bah voilà, j'ai 1600, maintenant les S+ sont 1700. Ce qui fait que du coup, ils tombent pas avec nous, en tout cas au début du Splatfest, ils tombent pas avec nous. Éventuellement, si nous, on passe au-dessus, on les rencontrera, ou si eux descendent, on les rencontrera, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Novice en Patrick, ça veut rien dire, mais c'est parti, allez. Ok, c'est parti pour le tout premier match. On va essayer de commencer bien. 1650, 1630 en face. Bon, c'est à peu près équilibré donc. C'est donc parti pour ce Splatfest Saint-Patrick. Ok, je le laisse aller là-bas. Petite pause grattage de nez. Voilà. On attaque direct chez eux. Oh yes, ok. Il m'a eu un peu par surprise. J'ai même pas eu le temps de déclencher mon bouclier. Mais là, mon équipe a bien pris l'avantage, donc c'est très bien. On va se construire un deuxième bouclier, voilà. Ça se garde assez bien vu que j'ai pas mal de trucs pour économiser son spécial. Je vais me TP là-bas. Petite surprise. Allez, on attaque chez eux, on s'en fout, hein. Quitte à mourir. Oh! Bon. Je pensais que c'était un mec de mon équipe, je sais pas pourquoi. Je suis un peu rouillé là, ça fait quelques jours que j'ai pas joué à Splatoon. Faut que je me remette un peu dans le bain. Bon, on va faire les coins là, ça sert pas à grand chose. Ok, j'ai mon bouclier. On va réattaquer chez eux. J'ai un bouclier, donc je suis un peu plus serein. Là, je me suis, je me barre. Moi, je me cache, je sais pas si c'est très astucieux, mais... Ah, je suis suivi. Oh. Ah, ils se TP tous sur moi. Ah, mais les jaunes ont repris la victoire. Ah, mais il faut pas se TP sur moi dans ce cas-là, bande de... Ok, bon, bah je sens que ça va être tendu parce que du coup, en fait, pendant que j'étais chez eux, les jaunes ont tout repris. Allez, on essaye de peindre au maximum.
Oui, aïe, 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 je sais pas ce qu'on a fait là, mais c'est très mauvais, très mauvais. J'avais pas trop fait gaffe. Pendant que je m'aventurais chez eux, en fait, il devait plus y avoir personne au centre. Et voilà, on a perdu comme des gros nuls. Bah ouais, aussi, ils sont tous TP sur moi quand j'étais chez eux, ils auraient... Enfin, bon, moi aussi j'aurais dû regarder ma carte, mais clairement... grosse erreur. Grosse erreur. Bon, bah ça commence très bien. Novice en Patrick. Bon, une partie Patrick contre Patrick, du coup j'ai l'impression. Ce qui me laisse penser qu'on est effectivement plus de Patrick que de Bob l'éponge. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est un Patrick contre Patrick, mais ils sont quand même jaunes en face. Alors peut-être qu'ils ont changé leur politique sur les couleurs. Ils mettent l'adversaire en jaune quoi qu'il arrive, pour garder peut-être une homogénéité. Ou alors c'est un pur hasard, on va voir dans les parties précédentes. Enfin, dans les parties suivantes, pardon. Oula, oula, mais... Ah oui, non mais, qu'est-ce qui se passe là? D'accord, bon. Je sais pas trop ce qui s'est passé là, mais... Il se passe des trucs chelous. Oh, wow. On va se mettre un autre bouclier si on peut. Voilà. Rester au centre là, cette fois-ci je vais plus m'aventurer chez eux parce que j'ai bien compris que si on faisait pas gaffe, ces équipiers, bah parfois ils font n'importe quoi. Du coup, on va plutôt rester au centre. Wow, je l'ai échappé belle un peu là. J'ai mon bouclier. Ah, il se barre, il m'a esquivé là. Ouh là là, ouh là là. Et les jaunes sont encore en train de reprendre un peu le. Avec les. Ouais. Ouh là là, qu'est-ce qu'il fait là? Oh là là, ça lag, ça lag. Bon. C'est pareil, Mes coéquipiers sont chez l'ennemi, mais du coup ils laissent le champ libre pour toutes les... Voilà, on va se faire... Ah non, peut-être pas, mais... Aïe, 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 aïe. C'est compliqué, hein. Bon, c'est une victoire. Un peu tendue, hein, parce qu'on a repris vraiment dans les dernières secondes. Mais ouais. Comme quoi s'aventurer dans la base ennemie en guerre de territoire, c'est pas non plus le la bonne solution quoi. Bon, je vais changer d'arme, histoire de varier un petit peu ce let's play. Je vais prendre ouais, je vais prendre lanceur octaligne, hein, le classique. Oh là là, passage turbo encore, la plaie. Il faut quand même pas nous mettre que ça. C'est la map que j'aime le moins parmi les trois. Bon, alors, beaucoup de liquidateurs en face. Un snipe. On va aller au centre direct.
Oh là là. Wow. Ok, derrière moi. Bon. On n'est pas trop... Je sais pas. On est un peu nul là. Et quand je dis on, je parle de moi. Pas trop l'habitude de jouer le liquidateur en guerre de territoire, mais alors là... Bon, au moins le snipe se débrouille bien parce que... Oh là là... Oh là là là, le carnage. Bon, ça s'annonce très mal. En plus, il y a quelqu'un chez nous. Wow, wow, wow. Faut le virer de là. Non. Oh. Nul de chez nul. Ok. Ils sont tous morts en face. Peut-être qu'on va, on va réussir à reprendre. Bien fait. Oula, je sais pas d'où ça vient, et ils ont repris, et on va se faire poutrer. Voilà, une deuxième défaite. Oh là là, je sais pas si je ferais bien de garder cette arme là finalement. Bon, je vais la garder quand même pour le let's play, mais après je pense que je vais changer. je dis une deuxième défaite, mais ça fait peut-être 3, je sais plus, j'ai perdu le compte. Ah, on change en fin de map. Bon, 2 défaites, 1 victoire. C'est con parce que les 2 défaites c'était contre des Bob l'éponge, je crois. c'est vraiment dommage. Ah, lui il me connaît peut-être. Peut-être pas. Wow. Ok. Bien joué. Bien joué mon coéquipier qui a tué les 2, sur lequel je vais me TP tout de suite. Oui, oui, oui. Ouais, grosse erreur, grosse erreur. Il s'appelle Wasabi, mais il joue avec le liquidateur pro, quoi. Quoi? Wow. Bon, faut les empêcher parce que là ils sont chez nous. Wow. Alors attends, ils font rien chez nous quoi. Ah si quand même. J'aurais peut-être dû prendre le wasabi en fait moi.
Ça passe un peu mieux, je pense, en garde de territoire. Voilà. Oula, il y a quelqu'un derrière moi. Alors, faut pas lancer aussi haut. On mène là, mais c'est vraiment pas grand chose. Faut vraiment les empêcher de passer, quoi. En fait, ouais, dans notre base elle est orange, quoi. C'est un peu ça le problème. Ouais, je suis là. Bon, je lag un peu apparemment. Je sais pas si ça vient de chez moi uniquement, mais. Je me demande si on n'a pas perdu. Ah non, peut-être pas. Non, on va gagner là. Il y a un petit missile tornade qui a inversé la tendance. Bon, c'est hyper serré, hein. Je vais changer d'arme. Une dernière fois. Je vais faire un petit match au liquidateur Wasabi. Ok. Je suis avec Ganon de la Team Enjoy Gaming. C'est marrant. Bon, pour l'instant, on rencontre personne, on reste chacun de son côté un peu là. Ah si, il y a quelqu'un là. Bon bah, on va lui balancer un truc dans la gueule. Waouh, ok, c'était pas lui que je voulais viser, mais très bien. Ce qu'il est. Bah ouais, je peux pas te laisser faire ça, Samuel. Oh, un petit kraken. Wow, wow. Il a temps de porter lui? Ah ouais, nettoyeur, ok. C'est hyper serré encore, hein. Wow, wow. Ils sont partout. Oh putain. Ah oh, bah là on est mal, hein. Là c'est ça y est, c'est ça sonne la. Oula, j'en ai eu un à la bombe, je sais pas trop comment. Allez, on continue à peindre. Oh, ok. Le snipe de mon équipe a réussi à les. Wow! Oh là là, ça sent. Oh là, il y a une déconnexion en plus. Une déconnexion chez nous, je crois en plus. Oh là là, non, non, c'est juste pas possible. Ah, oh, puis là, le nettoyeur du haut. Ah. Bon, et bah, c'est la partie de l'échec. Oh là là, oh la carte. Oh non, ne regardez pas. Oh, c'est juste immonde.
Ouais. Bon. C'est pas la folie, hein, mais bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!